suis Virginie Faure. Je suis assez passionnée par les questions d'alimentation durable et je travaille chez Nedum Serferm. Nous, qu'est-ce qu'on fait? On récupère des anciens containers maritimes dans lesquels on fait des micro-usines de transformation à la ferme. Aujourd'hui, nos usines permettent de transformer du lait en yaourt directement sur les exploitations laitières. Et mon boulot, c'est de réfléchir aux prochaines micro-usines. Peut-être des compotes à la ferme, peut-être des crèmes dessert, des pâtes fraîches, des granolas de petit déjeuner, qui sait? Le CNRA, pour moi, c'est la suite logique d'un constat un peu personnel qu'on est, je pense, plusieurs à partager, qui est que l'agriculture, l'alimentation de demain devra être plus locale, plus proche de nous, consommateurs, consommatrices. Et donc, ça se traduit par diverses énergies mises dans diverses entreprises. Donc, une seule ferme en est une des traductions. J'ai envie de dire, mais en fait, le CNRA, c'est des acteurs qui vont essayer de répondre à toutes ces questions, tous ces enjeux sociétaux, en se mettant en commun. Là, c'est né d'une seule ferme, mais c'est aussi le Centre de développement de l'agroécologie, c'est aussi Via Terroir, c'est aussi tout près d'ici, c'est des acteurs, c'est Néopharm, c'est des acteurs tout le long de la chaîne de valeur qui vont vers le même but que celui que nous on poursuit en tant qu'entité indépendante. Et en fait, c'est un regroupement qui va permettre de structurer toute cette filière de l'agriculture résiliente et donc de pouvoir avoir les moyens et la force de frappe pour accompagner nos territoires dans le déploiement et le passage à l'échelle de ces circuits locaux.